au loin de la croisée. Et dans 10 semaines, il faut bien qu'on choisisse laquelle qui peut amener nous vers la destruction et laquelle peut amener nous vers un meilleur avenir, vers le bonheur. Vous êtes n'importe qui secteur. Tout peut aller vers la ruine. L'économie peut aller vers la ruine. Partout déficitaire. Nous endettés. Et finalement, on ne connaît pas combien de dettes nous quittons nous la tête. Et quand on tourne à chaque fois, la veille d'une élection, ça, qu'il tient à travailler ça. Qu'il tient à Banaram Goulam. Nous pouvons nous faire telles affaires, telles facilités. Là, on connaît recrutement, je peux faire quatre côtés. Juste pour en mettre tout. Choisir certains dimons, d'autres enfants pour rentrer dans le travail. Alors, vous vivez d'autres esclaves, vous vivez d'autres autres. Mais vous ne pas réaliser après ça qui peut arriver. La cimetière, bon ensemble, depuis des années, vous ne pouvez plaigner. La veille élection, c'est pas combien de millions peut donner là à cette terre, qui ça, pour embêter ben Djimounla, pour Djimounla votre zone. L'argent, l'autre pour faner. Qui fait l'autre pour faner l'argent? Parce qu'ils ont une coca ou même. Quand on peut tendre, donne contrat, pour prix qu'ils donnaient, finalement, prix presque doublé. Quand autour, il y en a du monde, premier ministre, sa famille. Haine. Ce qu'il appelle Radiv Biari. Prends pas valise des visées étrangères. Amène des hauts. Mais pour qui lui amène ça? Radiv Biari, là, tient un sommaire. David Ramgoulam qui le met dans grande position aujourd'hui, mais avec valise remplie de visées étrangères, puis voyager, puis amène des hauts, quitte Maurice aller. Mais ça même lié à l'offense. Vous ne pouvez pas avoir des visées étrangères comme ça, tiens dans le pays, amène des hauts. Quand aujourd'hui, David Ramgoulam peut vendre ce pays-là, il a dit qu'il a raison de dire. Papa, tu vends Diego Carcia, sa gosse, puis tu peux vendre Maurice. Tout ça va être grand-grand. Moi seulement, qui peut faire grand-grand la case, tout ça là-bas est transé. Et pour arriver à un moment, quand Maurice n'a pas pour foutre à faire un bout de la terre, pour faire une la case. Dans votre propre pays, vous pouvez venir transer. Les risées, l'eau là, ça va être triclat. Lance grand slogan, couillon du monde, et malheureusement beaucoup mauriciens les autres couillonnés, ils s'agrinent. Par milliers du monde dans la misère noire. Beaucoup de les autres milliers pas capables de débout. La masse population peut être de plus en plus pauvre. La classe moyenne peut appauvrir. Si planter, elle peut disparaître. Pour finir, pour ne plier, non. Tu plantais dans le pays. Et pourtant, il peut dire, oh, il peut démocratiser l'économie. Mais vous avez réalisé, un premier ministre, il a besoin de défendre Bangalien ou bien il a besoin de défendre l'intérêt de son pays. Pas qu'il doit tirer l'argent des visées étrangères depuis Maurice comme ça amené. Est-ce qu'il n'a pas un moulin qui fait faire de l'enquête? Au contraire, il peut protéger Bangalia. Des gens qui peut prendre la loi dans notre propre main. Ça, il n'y a qu'à voir. Parce qu'ils ont des gens qui ont protégé les autres. Mais avec nous, nous n'avons pas une sacralité politique là. Et avec nous, nous avons un seul principe. Tout le monde égal, devant la loi. Et dis-moi comment vit le premier ministre.
quand même vous êtes premier ministre, quand même qui vous êtes, c'est pas président, c'est pas qui couillonnade. Si vous venez faire couillonnade d'après la loi, eh ben, va être stoppé à dans l'autre. Mais, je peux continuer à poser d'autres lances en ça que moi. Mais qu'aucun roule lance en ça. Si vous avez mis dans le moulin, vous voyez même si vous avez des bilans sur le poste. Moi, je dis que ce n'est pas lui qui vous fait aller. C'est mal, il faut pas mal ou là, ça. Il n'y a pas coquin où. Et lui, quand il fait tout ça là, quand Béranzé défend sa qualité, sa affaire là, parce qu'on dit Béranzé, quand il toupé, quand il vient abdiquer devant sa responsabilité, quand il n'est plus joué son rôle leader de l'opposition, quand il peut vanou, il peut vendre la démocratie pendant qu'il est supposé leader de l'opposition, il peut négocier l'alliance et parti travailler, c'est Kabine Amboula. Et il continue en poste. Mais il peut la boue propre, sa boue là. Tout ça causé au fin de la causé là. Il dit la honte, l'eau d'Avine, la honte, l'eau ceci, c'est là. Mais la honte, l'eau lit d'abord. Dit bien de ni dire oui, la honte au moins. Mais l'indécence, l'amour propre n'a pas énorme. Alors dit, au fin de nous autres, causer tous les. On m'a dit un lion, un tigre. Et où tout le lion et tigre marié où? Pourtant, ici, dans ce pays-là, lion et tigre peuvent marier. Mais seulement combien de temps le mariage a pu durer? De plus en plus, on peut faire confiance. De plus en plus, Mauricien peut raisonner. Et aujourd'hui, Mauricien est intelligent. Mauricien n'a pas pour tolérer tout ça, une bêtise qui peut faire aux autres les dos. Vous connaissez ce système gouvernement qu'ils ont voulu amener dans ce pays-là, avec Deuxième République. Ça même pour plus grande malédiction pour ce pays-là. Et un danger qui est énorme, mais à faire attention. Moi, puis tant Bagouan causer le Zulap et causer le radio. L'une des fans de l'alliance là, tout ça, après lui dire, il dit, nous pour pouvoir, nous pour gagner 60-0 malgré nous. Non, pour gagner, parti 60-0. Non, lui dire, il pour gagner 60-0 malgré lui. Mais lui dire, nous peut planifier pour 15-20 bonnes années, il pas peut cause 5 ans. Il peut cause 15-20 bonnes années. Ça fait moi un rappel. Quand son papa, tu fais l'alliance avec PMSD, tu gagnes 3 quarts, tu renvoies l'élection pour 5 ans. Lui, tu planifies pour 10 ans, lui. 5 ans pour son élection qui est élu, après 5 ans encore, qu'on va dire, élection qui n'est pas une, qu'on va dire, tiens, une élection. Et ça, on peut planifier pour 20 ans, 15-20 ans. Ah ben, si vous avez demain, d'autres gagnent 3 quarts majorité. Qui croit que l'élection envoyée pour 15-20 ans, dictature dans ce pays-là, la bouche n'a pas pour capable ouvrir. La bouche n'a pas pour capable ouvrir. Dans les autres pays, il n'arrivait ça dans le passé. Même en Europe. Et dans plusieurs pays, l'Afrique, peut encore une année de nos jours. Mais moi, je dis, où c'est qui peut arriver à nous dire, dans ce qui peut être à nous. Réveiller, ouvert les yeux, servir l'esprit, ça, ce n'est pas une vie pour son papa. Et ça, si vous connaissez la vie, même quand il est étudiant, qui va y aller le comporter l'idéo. Si son papa n'est pas premier ministre, si pas un commissionnaire Tilak en Angleterre, mais il est en prison. Seulement, il est sauvé. Ici, les pays en Zenbourg,
plein de verre. Paye pas chèque, s'il vous plaît. Prends kata. Elle coupe la gosse rami. Pourquoi dit mon pour bizarre rappel ça? Heureusement, Rani, sur cette fois, si faux, il rate la gosse, il coupe un chiguille à côté. Hein? Ça a été dit mon là, ça. Il n'a pitié pour personne. Il y a un bourreau. Et ça peut diriger ce pays. Et du monde, quand il a confiance dans lui, du monde croit. Est-ce qu'il y en a un secteur qu'il a créé qui amène revenu pour sa pays et qui crée emploi pour du monde qui travaille? Du monde vit dans la crainte, dans la frayeur. Dans la case dormir, dans du monde n'a pas foutu dormir avec tranquillité. Parce qu'il voulait rentrer, il n'est pas jusqu'au il est tout you. Tu as où la vie? Après, il suit tout, il y aller. Quand pour une élection, la raison de tout faire n'est beaucoup. Mais moi, je dis à du monde, ce n'est pas une question malhonnête. La raison là où la raison, c'est un coquin. Et c'est un coquin beaucoup. Je peux venir donner un petit bout. Je dis, prends-le, foutu. Prends-le. Dis-le, oui, nous parlons votre pour vous-même. Vous connaissez mon adversaire, je serviens de bonnes affaires. Je dénature ma vérité. Je invente des histoires pour faire du monde père. Par exemple, pour mon camarade musulman, je dis, ouah, Nirou Diagnat, tu critiques le Holy Quran. Et où là, je dis, oh bon Dieu, attendez, bon Dieu, va punir moi. Jamais, moi, tu causes Coran. Moi, tu causes un siècle qui président Kadhafi. Président Kadhafi, tu as envoyé ici. Et saut, ambassadeur, tu as fait siècle ça. Tu commences siècle ça partout. Et là-dedans, tu es non. Bande mauvais critique contre les autres religions. Tu peux insulter bande les autres religions. Si moi tu laisses ça continuer, tu peux une bagarre religieuse dans ce pays-là. Est-ce qu'il comme premier ministre, moi tu es capable de permettre ça? Moi pas tu permettre lire dans l'avenir aussi, moi pas pour permettre lire. Ça m'oblige à être en écoute. Et ce qui m'ont critiqué, c'est son ban commentaire qu'il t'y fait contre ban les autres religions. Ça qui m'a dit à mon imbécilité. Moi, un croyant, je crois dans bon Dieu. Je respecte toute ma religion. Je respecte tout mon livre sacré. Jamais, moi, il manque de respect. Mais quand on va voter là-bas, on vote selon vos consciences. On vote d'après vos raisonnements. Qui parti qui pourra s'y un meilleur avenir, un meilleur destin pour ce pays-là?